roads are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Salut tout le monde, c'est Swagfully97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous montrer un petit glitch qui vous permettra d'avoir beaucoup de munitions dans un seul et même chargeur, et cela vous évitera de recharger toutes les 5 minutes ou même toutes les 10 secondes en cas de combat. Et ça marche sur toutes les armes, évidemment. Donc moi, je vais vous montrer sur mes armes à moi, et principalement, c'est le plus intéressant, évidemment. Donc, pour cela, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement d'avoir une arme lourde, peu importe laquelle. Ici, c'est un minigun 100. Voilà. Un 100 cadence, voilà, comme ça. C'est très bien. Donc, vous prenez n'importe quelle arme. Ici, on va prendre la rangeur qui est là. Voilà. Alors, le souci de la rangeur, c'est que il est buggé, puisque, regardez, hein, c'est un perce-blindage cadence de tir, donc pas à deux coups. Donc, regardez, quand j'appuie une fois pour tirer, juste une fois, ça tire deux balles, au lieu d'une. Vous avez vu? Donc, il faut essayer de trouver le bon timing, comme celui-ci. Et donc, voilà. Donc, quand vous êtes là, quand vous avez une balle, donc c'est plus difficile à ce moment-là sur les armes automatiques, avec beaucoup de balles, mais bref. Regardez, donc vous avez une balle dans le chargeur, hop, donc tout va bien, et là, vous allez dans la roue des armes, favoris donc, et vous apprêtez à switcher d'arme, donc à appuyer pour prendre le minigun, la plasma, peu importe ce que vous aurez choisi. Et en appuyant sur cette arme, donc pour switcher d'arme, vous allez spammer la touche, donc pour tirer, ok, la cachette, peu importe, vous allez donc tirer avec votre arrangeur tout en switchant. Je vous montre. Donc il faut avoir un timing, hein. C'est pour ça qu'il faut spammer, n'hésitez pas à le faire. Hop, j'ai réussi. Vous avez vu, il s'est passé un drôle truc, la balle est partie, voilà. Je vais dans ma cache, je prends l'arrangeur, donc celui-ci, hop, je le range, et là vous voyez, il est à 499 munitions. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas à 999 ou 999 munitions? Très bonne question, moi je ne sais pas. Pour tout vous dire, je n'ai pas trop cherché à savoir comment, etc. Alors si vous y arrivez, n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire comment vous avez fait. Comme ça au moins, ça pourrait intéresser ceux qui comptent le faire. Alors c'est encore une astuce, un glitch plutôt, que je vous montre, mais que moi-même je ne ferai probablement jamais, parce que déjà, de 1, j'y penserai pas. Et de 2, je n'ai pas le temps pour jouer, et le peu que j'allume Fallout, c'est juste pour faire des vidéos. Donc voilà. Et donc là, vous tirez. Hein. Hop. Et juste pour, de nouveau, avoir l'arme d'origine, donc enlever le glitch, vous posez les munitions par terre. Donc, vous avez plus de balles, hein, c'est logique. Vous récupérez. Et là, vous rechargez. Et c'est bon. On va tester sur une autre arme. On va tester sur le laser explo. Regardez. Donc pareil, hein, une balle. Donc celui-ci, il n'est pas buggé, puisque regardez, ça tire une balle par une balle. L'arrangeur, c'est pas possible, parce que bon, vous connaissez ce jeu et ses problèmes, nombreux problèmes. Donc même manipulation. Évidemment, j'ai raté. Hein. Hop, on recommence, c'est pas bien grave. Voilà. Vous avez vu, le bono, il fait un truc bizarre aussi. Hein. Il se tortille, je sais pas trop quoi. Hop, on range le laser. On va le chercher. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, voilà. On l'équipe. Et on a 499, 499 munitions.
Donc voilà. Donc c'est assez pratique quand il y a beaucoup d'ennemis, ou sur un boss aussi, c'est très pratique. Mais faites attention, ne l'utilisez pas trop souvent non plus, puisque, comme vous le savez, Bethesda a augmenté son risque de bannissement, donc a augmenté sa sévérité. Bethesda, son bot plutôt, voilà, donc faites attention de ne pas être banni. Faites attention aussi de ne pas faire des glitches autres que celui-ci, un peu plus, comment dire, malfaisants. Comme les duplications, God Mode, etc. Tout ce qui est bien cancer, évitez, parce que là vous allez vous faire ban. C'est déjà arrivé à quelques-uns des cancers de ce jeu qui ont été bannis. D'ailleurs, vous vous rappelez, le dragon, regardez, j'ai même fait le test de mon côté pour voir s'il marchait. Le dragon marche, donc on va terminer cette vidéo par le dragon. Vous vous rappelez dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie, à propos des meilleures armes d'ailleurs, hein, j'ai une vidéo qui a super bien marché et qui vous a plu, donc merci à vous. Donc, je vous disais dans cette vidéo, le dragon en automatique, donc avec le glitch de munitions, donc là on va pouvoir le faire, regardez. Donc pareil, même manip. Évidemment j'ai raté. Après le jeu n'aide pas non plus avec ses nombreux bugs, hein, faut le savoir ça aussi. Hein. Hop, je reprends le dragon. Voilà, donc je le remets dans la cache, je le reprends, c'était celui-là, hein. C'est celui-là, hop, je le rééquipe, et je suis à 237 munitions, donc regardez, hein. Donc ça sur l'arène sulfurie, ou même le colosse, ah j'ai tué un écureuil sans le faire exprès. Donc ça marche super bien sur tous les ennemis. C'est vraiment pas mal, regardez. Hein. Ça tire... Ça tirait vraiment pas mal, regardez. Voilà. Par contre, ça s'use vite et le dragon se casse assez vite. Hein. Donc réparez-le bien à 200% avant de faire cela, évidemment. Donc voilà, une courte vidéo, mais une vidéo qui va être utile pour beaucoup d'entre vous. En tout cas pas pour moi, parce que comme je vous ai dit... Le glitch, je compte pas le faire parce que déjà, j'y penserai pas. Il est là depuis la nuit des temps, ce glitch. Hein. J'ai rarement fait. Déjà par manque de temps, parce que comme je vous ai dit, j'allume Fallout juste pour faire les vidéos et rien d'autre. Et bah, évidemment, j'ai pas besoin de glitcher mes munitions pour faire une vidéo. Vous l'aurez bien compris. Ou lors de mes streams, j'y pense même pas. Et ensuite, parce que vous avez été quand même nombreux à me demander, d'une part par la vidéo précédente avec le fait que je le mentionne. Mais même auparavant, je recevais beaucoup de questions à ce sujet, comment je fais, comment fait-on, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que ça marche toujours? Donc voilà, je vous ai fait une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ce glitch, si vous allez l'utiliser. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas du coup à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Vous retrouverez Discord en description si vous voulez venir discuter de Fallout, astuces, questions, aides, etc. Twitch en description aussi, live vendredi et dimanche si j'ai le temps. Voilà, c'est en fonction de moi, évidemment. Et évidemment, ma chaîne secondaire, si vous aimez les vidéos qui durent plus d'une heure ou une heure minimum sur des jeux autres que Fallout, ou même Fallout, vous êtes les bienvenus aussi. Tout est en description. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça n'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis, bye tout le monde.